Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournoi des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour mon épisode, je regarde mon petit pense-bête, 14 de ma grosse opening. Donc je vous rappelle à chaque fois, dans ces ouvertures, j'ouvre 100 super cristaux héroïques donc, que j'ai récupérés en généralement, en faisant beaucoup d'arènes et en récupérant les éclats de ces super cristaux héroïques, en faisant également des événements solo, des événements d'alliance. Donc c'est comme ça que j'arrive à récupérer tous ces cristaux pour ensuite les ouvrir et espérer récupérer de bons champions 4 étoiles. Mais vous, comme vous le savez, dans ces cristaux, généralement, on récupère beaucoup plus, comme vous voyez là, des champions 2 étoiles que des champions 4 étoiles. Mais allez savoir, sur les derniers épisodes, la dernière grosse opening notamment, j'ai enfin conjuré le mauvais sort, j'ai réussi à récupérer des champions... Oui, non, c'était pas ça que je voulais faire. Des champions 4 étoiles. Et donc, je les ouvre par 10 pour les 90 premières ouvertures. Et après, je finis. Donc là, ça sera déjà l'une des 10 dernières ouvertures. Je finis par 1 mes ouvertures, un par un, sur ces cristaux. Mais vous comprenez bien que j'allais pas ouvrir un par un les 100 cristaux, super cristaux héroïques. Là, ça part pas très fort hein, au niveau des 3 étoiles. Je récupère une malicia en 3 étoiles. Allez, je continue les amis. Kabam, va-t'en avec tes offres en acajou. Toujours par 10. Est-ce que je vais récupérer un champion 4 étoiles les amis? Allons savoir. Ah, une Gwenpool 3 étoiles. Ouais, qui est pas mal, qui est pas foufou en 3 étoiles, mais qui est l'un des meilleurs champions encore à ce jour pour ce qui est des saignements. Et de la réduction de la précision de compétence de l'adversaire hein, quand elle est éveillée et qu'on a une bonne série de combos au-delà des 50 ou 60 combos, je crois, contre l'adversaire. Cette fois-ci, une abomination 3 étoiles. Je récupère quand même un 3 étoiles par tirage, par dizaine, là, sur ces dernières dizaines, qui n'est pas trop mal. Je continue, les amis. Ah, les problèmes de connexion au réseau. Ça, Kabam, vous êtes très fort dernièrement là-dessus. Je dois dire que c'est une feature qui est vraiment sympathique. Et merci de nous faire cadeau de cette qualité de jeu incroyable dernièrement, Kabam. Vous êtes franchement des chefs. Et là, vous avez vu, c'était Captain America Infinity War qui s'avère un très bon personnage dans de nombreuses situations. Allez, je continue sur ces ouvertures de cristaux héroïques. Ah, c'était mieux là. Une Miss Marvel et un Spider-Man, les symbiotes. Donc qui monte au max pour son renforcement symbiotique, c'était toujours bon à prendre. Et la Miss Marvel, qui elle était au max ou pas? Non, absorption d'énergie qui passe à... j'ai pas vu, à 38 ou à 40. Allez, je continue les amis sur cette ouverture, mais arrêtez de me proposer ces offres en bois. Kabam, je ne suis pas une baleine, vous avez vos baleines à vous, laissez-moi tranquille, je ne suis pas un cétacé que vous pouvez traire. Allez, je continue sur ces ouvertures. Cette fois-ci, c'est un Corvus Glaive 3 étoiles qui ne devait pas être très haut au niveau de sa compétence spéciale. Ah, si, quand même. 61. Donc, qui se rapproche des 99, de la limite fatidique des 99 de sa compétence spéciale. Allez, j'arrive pour la prochaine dizaine. Toujours les serveurs de Kabam en PLS. C'est un bonheur de faire ces tirages, vous vous en doutez. Cette fois-ci, un War Machine, une Ella. Ah, mieux! Et un Mephisto. Ah, ça y est, là, ça remonte un petit peu en gamme sur ces 80 super cristaux héroïques déjà tirés pour cette grosse opening 14, je vous le rappelle, les amis. Donc là, vous vous en doutez, si je parle pas si fort, c'est qu'on est tard le soir. Mais je voulais faire quand même cette opening parce qu'il y a une bonne conjonction des planètes. Là, entre un gain de niveau et une progression, donc c'était vraiment le moment pour faire ces ouvertures, donc là, que des 2 étoiles. Et je vais finir donc les 9 derniers, avec déjà, j'avais ouvert la tornade 2 étoiles, donc je vais finir les 9 derniers, un par un, voir est-ce que je vais récupérer un champion 4 étoiles, comme sur les dernières grosses openings, ou est-ce que je vais me contenter de champion 3 étoiles, qui était le cas dernièrement. Allons voir les amis, là, je tombe sur un Iron Fist classique. Bon, soit 2 étoiles. Je prends. On continue, les amis, sur ces tirages. Allez, je les ouvre tout de suite. Hein. On ne fait pas planer le suspense plus longtemps. De toute façon, c'est cosmétique, ce carrousel. Cette fois-ci, ce sera une Gamora 2 étoiles. Je continue. Niveau atteint, niveau max atteint. J'aimerais bien... Qu'est-ce que j'aimerais bien comme perso? Oui, tiens, j'aimerais bien un petit Korg 4 étoiles. Je ne serais pas contre... Un petit corps 4 étoiles, ça ferait du bien. Oh, il y avait Omega Red non plus, je ne dirais pas non. Cette fois-ci, ce serait un Hulk. Ce sera un Hulk 2 étoiles. Hulk classique. Je continue sur ces ouvertures de cristaux, les amis. Elle ne va plus, les jeux sont faits, mesdames et mesdames. Allez.
Et pourtant, ils font passer dans le carrousel, hein, le carrousel cosmétique, ils font passer des 4 étoiles, hein, mais c'est histoire de nous faire croire. Ah, il y avait un Magneto Marvel Now. Mais encore une fois, l'algorithme avait jeté son dévolu sur Gamora, et il me la remontre, hein, au cas où je l'aurais pas bien vu. J'ai bien vu que j'ai une Gamora 2 étoiles, merci, c'est pas la peine de m'humilier comme ça, kabam. Et là, ça va être un Hawkeye. Vous avez vu dernièrement, peut-être dans mes tirages, j'ai récupéré Hawkeye en 5 étoiles. C'est un très bon champion. Simple, mais très bon champion. Pour ce qui est de drainer le pouvoir de l'adversaire, déjà sur son SP1, en plus de mettre des saignements, quand l'adversaire est sensible aux saignements. Donc, j'étais pas mécontent du tout de récupérer ce Hawkeye en 5 étoiles. Un bon champion, hein. Ce n'est pas du tout un mauvais champion, comme certains pourraient le penser. Un Black Panther, 2 étoiles, on me remet Black Panther au cas où je n'aurais pas assez bien vu. Allez, il reste encore 3 super cristaux héroïques, les amis, dans cette grosse opening numéro 14. Cette fois-ci, je tombe encore une fois sur Iron Fist. Décidément, je suis abonné au Fist sur ce tirage. Et on me le remonte en 2 exemplaires. Ah là là, le talon de Kabam sur cette interface, c'est du bonheur. Allez, j'arrête d'être taquin, parce que j'aime quand même bien ce jeu, donc c'est juste qui aime bien châtie bien. Ah, il y avait un Karnak en 4 étoiles, mais non, ce sera le Cyclope, nouvelle école de Charles Xavier. Et allez, le dernier super cristal héroïque, les amis, est-ce que je vais finir Fanny, est-ce que je vais finir Brocouille sur les 4 étoiles? Eh bien, vous allez le savoir dans un tirage de cristal. Les jeux sont faits, et effectivement, je n'aurais eu que des 3 étoiles au mieux dans cet épisode 14 avec un Ultron pour finir, qui était déjà au max de sa compétence spéciale. On fait le résultat des courses, quelques champions 3 étoiles, beaucoup de caillasses 2 étoiles, forcément des cristaux de compétence spéciale max, parce que ça c'était des champions déjà au max de leur compétence que j'ai encore doublé. Et quand même, je monte encore un petit peu plus, Captain America, Corvus Glaive, Speedy les symbiotes, Miss Marvel et l'ami War Machine. Bah écoutez, c'était Juge Fred sur Marvel Tournant les champions. Je vais vous montrer mon épisode 14 de Gross Opening. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter la vidéo, à me dire ce que vous pensez de ces tirages, à la partager également avec vos proches, à mettre le petit pouce baissé, levé. C'est vous qui choisissez, les amis, je vous le dis toujours. Vous abonnez à ma chaîne si vous la découvrez. Vous verrez des tirages de cristaux, vous verrez également des lives, des présentations de champions, des moments délirants également, et d'autres jeux aussi, si vous êtes intéressé par d'autres jeux sur console et PC. Et puis, bah, je vous le dis encore une fois, bonne chance pour ces cristaux, parce que ce n'est pas évident de tirer du 4 étoiles dedans. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite sur ma chaîne YouTube. Peace.